Salut les Capricornes, bienvenue pour votre lecture pour ce mois de février 2023. On va aller voir donc ici ensemble. Donc, je vais préparer comme d'habitude donc les breloques sur le petit plateau et j'irai construire votre tirage avec bien évidemment des cartes en plus. Prenez seulement ce qui résonne avec vous les amis, hein, ça reste tout de même du général. Donc j'appelle à votre bon discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne parlera pas chaque mois, c'est normal, vous êtes plusieurs personnes à vivre la même chose. Et quand je donne, je délivre plusieurs messages, je le fais exprès puisque vous êtes, bah déjà, vous êtes nombreux et en plus on est sur une guidance générale. Les situations ne sont pas similaires, donc je vous donne des précisions, plusieurs en tout cas, indications par rapport à vos possibilités de situation. Voilà, tout simplement. Maintenant, que ça convienne ou que ça ne convienne pas, ça c'est une autre histoire. Ok? Quand on veut quelque chose d'assez précis, ça s'appelle une guidance personnalisée, les amis. Donc là, on ne parle que de vous et uniquement de vous. Quand on est sur une guidance générale, il est normal que je donne plusieurs possibilités parce que vous ne vivez pas tous la même chose de la même manière, même si dans le fond, on nous attire l'attention sur quelque chose d'assez similaire et de commun. Voilà. Les énergies sont tout à fait interchangeables. Ça aussi, voilà. Il se peut que c'est de vous, mais c'est aussi une personne face à vous qui ressort dans vos énergies. Et bien évidemment, le signe valable signe ascendant solaire, lunaire, Vénus aussi, parce que parfois il y a des messages aussi qui s'adressent au niveau du cœur. Voilà. Prenez ce qui résonne et laissez, hein, si ça ne vous parle pas. Bonne écoute. Allez pour les Capricornes sur ce mois de février, des énergies qui vont les accompagner. Faites-moi avoir, s'il vous plaît, le message. Pour les Capricornes sur ce mois de février, je vous ai fait une bonne poignée, ben comme ça au moins, on aura de bons éléments ici. Alors j'ai le « tu me manques » mais à l'extérieur du plateau, d'accord? Alors ici, on a la force, donc il peut tout à fait représenter un signe du lion. Alors vous pouvez l'avoir dans votre thème. Vous avez aussi peut-être affaire à du lion. J'ai la lettre M en plus qui ressort ici. J'ai un signe du Verseau. Ah, bon, le focus, il a du mal à se mettre en place. J'ai du taureau également. J'ai le chiffre 9. Et 3. J'ai 3 et 9 ici qui ressortent dans le tirage. On va les mettre de côté, hein. D'accord? On va aller du coup voir. Bon, bah déjà, moi, dans un prime abord comme ça, la chose qui me saute en premier lieu, c'est que je vais avoir des personnes qui vont être ici dans une procédure juridique qui concernera un enfant. Je l'ai direct, hein. Je le vois direct. Surtout si en plus on a la lettre M dans le prénom, dans le nom de l'enfant, du parent, un des parents, voilà. J'ai un chiffre 3. Alors est-ce que c'est dans 3 mois peut-être possible une situation qui est arrivée plus ou moins à son terme. C'est comme si peut-être cette situation avait pris du temps également. Sinon, je vois aussi certaines personnes qui sont peut-être en difficulté, peut-être avec des sœurs également. Par rapport à quelque chose de juridique ou administratif. Je dirais surtout juridique, honnêtement. Parce que j'ai quand même le National Défense, j'ai le Roi de Pique qui vient me l'indiquer. J'ai le Lys, donc ça revient encore appuyé. Donc, ouais. Bon, allez. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quels sont les messages ici pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ça peut concerner aussi, pour certains, un héritage. Hein. Ça peut être possible, hein. D'accord? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On retrouve la carte de la force. Vous voyez, là, ici. Là, les breloques. Ça revient. Bon, on nous annonce tout de même une réussite. On peut être confiant ici par rapport à une situation, d'accord, qui visiblement va prendre fin, mais va prendre fin avec succès, hein, ok? Ça aurait peut-être dû demander ici beaucoup de
de bonne volonté, de la persévérance également pour qu'on y parvienne, ok, à cette situation. Peut-être c'est ce qui ressort ici dans les breloques, ok. Ça aura déployé beaucoup de force tout de même, beaucoup de courage pour y parvenir. Ah, il y a de la communication pour certains. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont. Alors, il y a une fin peut-être brutale concernant ici avec quelqu'un, donc une communication qui a été rompue de manière peut-être assez brutalement d'ailleurs, ou après un conflit, parce que le cavalier d'épée, alors lui, quand il se met à parler, il est très tranchant hein, dans la communication. Et voilà, suivi d'indices d'épée, donc je vous fais pas le dessin. Hein. Donc ici, une communication peut-être suite à un clash, une communication assez tranchante. On a coupé net hein, de ce que je peux voir. Parce que peut-être j'ai quelqu'un qui n'était pas trop clair, qui était un peu dans une certaine forme d'ambiguïté, pas très net au niveau de sa communication, un peu flou, un peu. Et là, on préfère couper net. Alors là, c'est parce que bah voilà, ça fait mal, cette situation fait mal. Bah, ouais, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, si vous avez quelqu'un qui joue un petit peu sur le tableau avec vous, qui est pas trop clair vis-à-vis de vous. Voilà, tu m'étonnes que tu as envie de couper net. Hein. Donc on peut le voir comme ça ici avec par rapport à quelqu'un tout de même, les amis. Hein, d'accord? Ça joue un peu ouais, très un côté très ambiguïté, très ambigu, pardon. Ou alors flou hein, également aussi. Bah écoutez, par rapport à l'aspect professionnel, bon, ça a l'air d'être plutôt assez bien. Ici, pour moi, j'ai quelque chose qui est comme si voilà, on recevait ce que vous méritez. Vous êtes assez reconnu dans votre travail. Vous accomplissez de belles choses. Il y a des contrats aussi qui se profilent, hein, qui peuvent être ici, être à. Il y a cette notion d'abondance hein, par rapport à ce qui vient. Ça peut être un. Ouais, enfin, j'allais dire, ça peut être aussi un contrat, mais un contrat plutôt assez positif pour certains, mais côté plutôt professionnel, parce que je vois ici, on entreprend des choses, hein, d'accord? Dans l'aspect professionnel, en tout cas. C'est positif hein, de ce que je peux voir. Pour certaines personnes aussi, peut-être que voilà, vous avez mis un terme aussi avec quelqu'un. C'est un peu flou, un peu bizarre parce que c'était un petit peu ambigu, dans le sens où peut-être c'était un collègue de travail. Ça peut être quelqu'un qui est pris, qui est aussi assez partagé aussi entre peut-être deux situations. Visiblement, cette personne, elle est assez concentrée tout de même à réussir peut-être aussi son mariage ou son union plus que la triangulaire. Voilà, l'autre personne en plus dans le trio, d'accord? Je suis quelqu'un qui est assez. Donc voilà, si vous n'obtenez peut-être pas assez votre dû par rapport à ça, c'est-à-dire que voilà, vous, on vous met de côté. Voilà, n'allez pas vous faire mal, n'allez pas insister dans cette situation, coupez net. On vous le dit clairement, coupez net, d'accord? Ne vous faites pas de mal ici, les amis. Ça peut être aussi encore une situation qui peut encore être là présente dans vos énergies. Ça peut être déjà que c'est déjà passé, c'est déjà encore le cas. Enfin, c'était déjà le cas, vous avez rompu ici. Et là, on va aller voir du coup, qu'est-ce que ça peut donner ici? Ok, vous vous recentrez sur vous-même, sur votre bonheur, bah, il y a forcément par contre certaines limitations que vous devriez peut-être pour certaines personnes quitter hein, pour pouvoir justement vous recentrer sur vous-même, aller dans votre intériorité, écouter votre intuition, vous nourrir vous-même. Voilà, quand on n'obtient pas l'amour, peut-être que vous allez inconsciemment aussi vers des personnes qui sont déjà prises parce que vous avez vous-même du mal à vous accorder de l'amour. Bah là, je vois surtout des personnes qui vont aller se recentrer sur eux-mêmes et c'est ça qui est cool sur ce mois de février, c'est que. Peut-être que vous allez comprendre que, ouais, purée, vous avez des conditionnements qui vous limitent, vous vous auto-limitez, les amis, ici, d'accord? Rien ne vous empêche d'aller vers du bonheur. Du moment que vous allez enlever ici vos barrières, il n'y a rien qui vous empêche parce que vous pouvez tout à fait l'avoir. On a une reine de coupe avec 10 de coupe. Donc là, on dépasse carrément les 9 de coupe. Que peut-être avec une personne qui représentait peut-être aussi un idéal ou, comment dire,
qui représentait ici peut-être une personne assez particulière à vos yeux, chère à vos yeux, vous allez vous rendre compte que finalement, quand on quitte ici ces conditionnements, on quitte ses peurs, bah, regardez tout ce que la vie peut vous tendre ici comme abondance. Elle peut vous ramener cet amour, cette joie que vous avez besoin déjà, parce que vous la vibrez à l'intérieur de vous, donc la vie vous répondra aussi avec amour. Voilà. Ça va s'adresser plutôt à des personnes qui ont déjà mis un stop ici avec une personne et qui ont préféré se recentrer sur eux-mêmes. Et regardez-moi ce vers quoi vous allez du moment que vous quittez vos conditionnements. Est-ce que ça, c'est pas beau? C'est magnifique. Pour certains, on peut me parler que on est marié. On a été marié aussi avec cette personne autrefois et ça s'est terminé. Et là, peut-être que ça va être pour les personnes, c'est dans ce cas de figure-là, qui étaient déjà mariées, peut-être qu'il y a une situation liée aux enfants, une pension alimentaire, peut-être qu'il est à revoir au niveau du palais de justice ici, parce que je vois un contrat qui va être revu. Okay. On va prendre la parole également, on va prendre le courage de prendre la parole, dénoncer certaines choses, on va sortir. C'est ça qui est cool dans les breloques, c'est qu'on a le 9 d'épée, mais renversé. Donc pour moi, on fait face à ces craintes les plus profondes, aux angoisses, on les quitte parce qu'on va les confronter, en prenant la parole, en disant les choses. Il y a aussi, peut-être pour certaines personnes, on vous attire l'attention par rapport à ici un contrat. Concernant ici un contrat lié avec le côté administratif, voire quelque chose de l'autorité. D'accord ? On me le montre ici. Une situation dans laquelle on était bloqué, à un moment donné, on était en suspens. Mais on ne vous dit pas d'inquiétude, après une période d'analyse, on l'a ici deux fois analyse. Donc il y a pour moi quelque chose qui va être analysé. Donc soit c'est vous qui allez analyser, soit c'est un dossier par exemple que vous allez monter, qui va être analysé par d'autres personnes. Donc pas d'inquiétude, pour moi c'est protégé, un vœu va finir par se réaliser, ce vœu aura mis du temps. C'est peut-être ça aussi qu'on nous montre ici, ça aurait peut-être mis du temps, mais... ça parvient, c'est cool et c'est en bonne voie ici pour moi. Il y a la réussite derrière qui est annoncée tout de même. Alors je vois ici des communications qui peuvent venir à vous ou dans une relation où on était en secret. Alors là, on va revenir du coup sur la triangulaire qu'on a ici dans les cartes. Je regarde les breloques. C'est comme si on était arrivé à une fin de cycle parce qu'on tombe sur le 9 quand même au niveau chiffre numérologie. Le 9, c'est on clôture un cycle. On le retrouve tout à fait avec le monde dans le tarot. Donc on arrive à une fin de cycle. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était un peu dans une certaine forme d'engrenage, un peu comme un hamster dans une roue. En fait, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. On a un peu ce côté-là, et en plus, vous étiez soumis dans cette situation. Donc là, il faudrait sortir de ça, les amis, quitter les conditionnements et aller reprendre votre vie en main, parce que vous êtes co-créateurs, les amis, ne l'oublions pas, vous êtes co-créateurs de votre propre vie. C'est des personnes, peut-être, qui ne voulaient pas abandonner ici une situation. Ah, mais bon, si ça ne marche pas, c'est qu'à un moment donné, il faudra ici changer la manière de procéder, d'accord ? Et quitter les auto-limitations. Vous vous limitez ici, les amis. Vraiment, vous vous limitez. Parce que peut-être qu'il y a une blessure d'abandon pour certains. Là, il faudra vraiment aller travailler là-dessus, la dépasser. Il y a des mécanismes sous-jacents pour moi. C'est peut-être pas visible comme ça au prime abord, mais dans le fond, ça l'est. Parce que c'est des personnes qui n'abandonnent pas tout de même et qui sont là parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour quelqu'un, hein, on le voit ici hein, tout de même, mais il y a des limitations, donc ça il faudrait peut-être quitter les peurs, quitter ce qui vous auto-limite en fait dans cette situation. On montre un signe du taureau. Alors est-ce que vous avez affaire à du taureau, parce que le taureau représente aussi le côté confiance, avoir confiance en soi également. Pour certaines personnes, il va y avoir ici une période d'harmonie qui s'annonce après une période difficile concernant ici les finances. Donc les finances également vont aller mieux. Le travail, ça va aller mieux également si vous étiez peut-être dans une période un peu compliquée. Pour moi, ça a l'air d'aller fonctionner. Par contre, pour certaines personnes, il faudra ici déconstruire quelque chose, avoir le courage de déconstruire quelque chose pour pouvoir rebâtir et reconstruire quelque chose de solide au niveau de la base. Donc il y a quelque chose ici qu'il faudra reconstruire de manière très déstructurer quelque chose pour pouvoir remettre en place quelque chose de peut-être qui vous convient mieux par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour votre vie à vous les Capricornes. On peut montrer aussi une différence d'âge avec quelqu'un. Voilà. Ouais.
Voilà, vous êtes en triangulaire aussi, ok? Avec qui, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ça peut être aussi la mère de vos enfants. On peut le retrouver ici. Et cette maman, peut-être alors elle est partie, peut-être elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Surtout si vous avez la lettre M, le chiffre 3. Et là, on me montre ici, peut-être que vous avez divorcé hein, pour certains. Vous avez ici, bon, je vois une fille. Hein. Maintenant, après, vous avez peut-être des enfants en gros, quoi. Ici ensemble. Mais j'ai une personne à qui vous manquez, mais je pense que. Ou quelqu'un vous a manqué aussi. Mais c'est comme si on arrivait à dépasser ce manque, parce que c'est resté à l'extérieur du plateau. Vous voyez? C'est que ça n'a pas autant d'importance que s'il était à l'intérieur. Pour moi, vous êtes déjà passé par cette phase manque. Ce manque, bah, peut-être qu'il est encore présent pour certains, mais pas aussi intensément que ce que ça a pu l'être dans le passé. Ok. Il y a vraiment des personnes qui doivent passer aussi une difficulté dans la communication. Parce que j'ai quelqu'un qui est sur la retenue au niveau de sa communication. Et ça, il faut vraiment qu'il arrive à dire les choses. On le retrouve ici dans les breloques. Parce que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Qui fait très attention peut-être aussi à sa communication. Ou délivre très peu d'ailleurs d'informations. Allez. On peut avoir aussi quelqu'un, on l'avait d'ailleurs même dans les breloques, parce que j'ai la carte du lion, du lion, de la force qui représente, oui, le lion, qui a peut-être aussi le dessus sur quelqu'un. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a le dessus sur une autre personne. Soit c'est sur vous qu'on a le dessus, soit c'est la personne en face de vous. Quelqu'un à ses côtés a le dessus sur lui ou sur elle. Allez, pour les Capricornes, sur ce mois de février, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer comme message? Je vais arriver. Il y a bien un contexte familial, on le retrouve ici également. Donc, alors soit ça peut parler de lieu de vie, et ça concerne ici la famille, le contexte familial. Il faudra ici passer par des personnes assermentées. Donc ça peut concerner, comme je le dis tout à l'heure, des personnes qui sont en procédure juridique où il y a une question d'enfant. Et ça a l'air de concerner le lieu de vie des enfants. Ouais, on le retrouve ici. Par contre, ce qui vient, c'est positif hein, pour l'un des deux parents. C'est OK, d'accord? Donc pour moi, le déplacement se fera bien ici par la suite, d'accord? Donc on effectuera quand même ce déplacement-là. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, bah, ça concerne vraiment des enfants. Et qu'il y a une coupure au niveau d'un des deux parents. Il y a une coupure avec un des deux parents. Donc il y a de nouveau un retour à la justice ou concernant ici peut-être l'autorité. Il y a une proposition peut-être concernant ici le déplacement parmi l'un des deux. Une situation qui semble ici assez compliquée hein, tout de même. Mais pour pouvoir la régler, il faudra retourner ici devant la justice. Ça concerne quand même une petite fille, on me montre. Hein. Donc, ou une jeune ado. Ouais. On le retrouve même dans les breloques. Il y a une proposition ici, en tout cas. Ce sera un message vraiment assez spécifique qui s'adressera à des parents qui sont séparés avec l'autre parent et qui peut-être se chamaillent à la garde, hein, d'accord? Ou le lieu de vie, en tout cas, de l'enfant. Ça y ressemble. Ou alors, voilà, vous étiez autrefois marié avec la mère des enfants. Vous êtes aussi marié, vous êtes la maman et avec le père de vos enfants. Il y a eu une coupure ici. Pour moi, c'est comme si, voilà, vous avez peut-être soit divorcé, soit vous ne vivez plus ensemble. Et ce sont ici, vous vous revoyez peut-être ici par rapport aux questions d'enfants. Hein. Je vois ici des retours. Mais un retour plus calme. Peut-être que par le passé, par exemple, il y a eu une complication entre vous. Mais là, ça a l'air de se calmer hein, tout de même. Hein. C'est pas non plus, on ne se mène pas la bataille hein, de ce que je peux voir ici. Ou alors on se préserve et on se protège de toute façon. Ah ben ça insiste. Ouais. Il y a quand même l'harmonie là-dessus, même si peut-être qu'on doute, peut-être qu'on se pose des questions sur l'autre personne.
ça peut être possible, mais pas d'inquiétude pour moi. Il y a de nouveau l'équilibre, de nouveau qui revient. Il y a de l'harmonie qui revient, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous allez dépasser cette situation compliquée qui vous pèse. Sinon, on me montre également les personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, peut-être qui ont commencé une relation pas avec quelqu'un sur le lieu de travail ou en tout cas une activité professionnelle relie l'autre personne. On est en triangulaire. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de mensonges peut-être aussi dans cette situation. Mais pareil, on vous dit qu'on vous annonce ici de nouveau l'équilibre dans cette situation et de l'harmonie qui peut revenir. Vous vous posez beaucoup de questions ici concernant l'autre personne. Je pense que une coupure vous fera peut-être pas de mal hein, ici, de ce que je peux voir. Ouais, il y a une question de manque, hein. On l'avait ici, hein, le tu manques. Alors peut-être est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous manquez aussi à cette personne? Ça peut être possible. Ou alors c'est l'autre personne qui se dit, est-ce que je lui manque? Hein, d'accord. Parce que visiblement, il y a une complication avec la vipère. Là, quelque chose qui ne s'est pas passé. Ou alors, bon, la vipère représente aussi une femme, hein, donc une rivale, hein, et éventuellement hein, une amante ou une maîtresse hein, que ça représente. Donc, maintenir ici l'équilibre, peut-être que pour certaines personnes, on peut montrer aussi qu'on travaille dans l'aspect juridique. Hein. Alors là, on le retrouve partout dans les breloques et on le retrouve aussi dans les cartes. Bon, peut-être que le lieu de professionnel, ça peut être aussi voilà, le lieu lié à la justice ou en tout cas avec l'autorité, parce que ça peut être aussi gendarme. Ouais, ça peut être possible. Notaire également. Mais là, il y a une question concernant ici le manque. Rapport à quelqu'un. Ce sont des personnes qui étaient passées par une période assez trouble, assez difficile, mais pour moi, l'harmonie se retrouve en fait. C'est comme si on retrouve l'harmonie petit à petit tout de même. Donc, ça qui est bien. Donc, voilà. Ça vient, hein. Donc, pas d'inquiétude, même si ce n'est pas encore actuellement présent dans votre cas. Pour certaines personnes, c'est déjà le cas parce que vous avez déjà dépassé cette situation. Alors, en même temps, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et pour moi, il y a certaines personnes, c'est. Vous êtes en train de vous harmoniser aussi, hein, d'accord? Donc c'est en chemin, il y a l'équilibre de nous vous retrouver. Même si, bon, peut-être qu'il y a une question aussi de manque qui se fait ressentir par rapport à quelqu'un, mais il y a aussi une certaine personne où il fallait couper parce que c'était salutaire pour vous, en fait. C'était vraiment nécessaire de couper. Vous ne pouvez pas rester dans une situation qui vous fait mal, en fait, d'accord? C'était utile pour vous. Alors ici, ouais, le consultant concernant ici, il y a une question quand même d'argent hein, qui va, une rentrée, il y a une rentrée d'argent pour moi à laquelle vous devriez vous attendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les breloques. Après une période peut-être ici un peu difficile pour moi il y a de nouveau des rentrées d'argent qui arrivent pour moi. Donc concernant ici l'argent, c'est bénef. C'est possible. C'est peut-être aussi une acquisition. C'est grâce à une acquisition. Alors, c'est une acquisition qui reste quand même assez un peu bloquée, hein, d'accord, par rapport à l'acquisition. Mais on a envie, en tout cas ici, comment dire, bah, peut-être d'aller communiquer, de trouver ici une solution à travers une communication. Ce sera des échanges hein, qu'il faudra ici amener pour pouvoir ici, en tout cas, dépasser ce problème-là. Si ce n'est pas une acquisition, on peut me montrer aussi pour certains, bah de nouveau, voilà, peut-être que vous allez, vous voulez avancer. Bon, vous avancez tant bien que mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Parce que l'avancée, ça, on le retrouve dans le côté blocage un petit peu quand même. Mais vous allez de nouveau tenter des communications avec quelqu'un, mais par contre, ça va être un petit peu, peut-être tourner un peu côté quand même charnel pour certains, de ce que je peux voir. Alors, on aura envie de nouveau recommuniquer de nouveau avec d'autres personnes, faire de nouvelles connaissances ici. Mais ça ne sera pas encore avec une ouverture du cœur, hein, de ce que je peux voir tout de même, d'accord? Ça sera plutôt, ouais, peut-être des rencontres à la va-vite, quoi, hein, d'accord? Dans un premier temps, en tout cas. C'est le temps de peut-être
de vous remettre de nouveau ici sur le marché après ce que vous avez vécu peut-être assez difficile avec quelqu'un, d'accord? Je vois des personnes qui retentent ici en tout cas des communications pour faire connaissance hein, de ce que je peux voir. En tout cas, l'envie va se faire ressentir. On aura envie d'avancer, même si bon, peut-être que vous avez un pied en avant. C'est un peu encore retenu, peut-être pour certains encore par rapport à votre passé. Mais vous aurez de nouveau ici peut-être envie de vous ouvrir de nouveau à quelqu'un, d'accord? Parce que vous ne voulez plus rester bloqué hein, ici, visiblement, dans une situation. Peut-être que ce qui bloque, ce sera un petit peu encore le cœur qui bloque, ok? Allez, pour les... Là, je vais aller très rapidement ici. Je ne vais pas trop tarder non plus, parce qu'on est déjà à 25 minutes. Ouais, bon, allez, je vais faire tout de même juste un tableau de 9. Ouais, le paquet, il est à l'envers. Ouais, voilà, il était à l'envers. Allez, hop. Ça revient quand même sur ce que j'avais tout à l'heure. Hein. Une question ici relie les enfants par rapport au lieu de vie, hein, d'accord. Il y avait un blocage, mais par rapport à une offre, c'est comme si on n'était pas d'accord ici, concernant ici cette offre-là, cette proposition. Du coup, on est un peu perdu par rapport peut-être au lieu de vie concernant ici la résidence de l'enfant. On le retrouve, hein, clairement. Hein. Alors là, on ne peut pas être plus clair là-dessus, ok. Mais bon. Le tirage nous montre tout de même ici la clé en plein milieu du tirage. Donc pour moi, une solution va finir par être trouvée. Et le blocage concernant ici, visiblement, c'est le papa. Hein. Donc par rapport au papa, c'est la solution va finir par être trouvée. Donc voilà, il va y avoir ici un dénouement à cette situation tout de même. Donc le blocage pour moi, il saute. Hein. Okay. Même si on était un peu... On est passé par une période assez difficile et finalement, la proposition, j'ai l'impression que c'est du côté de la maman hein, que ça va aller ici. Ouais. La solution, elle est du côté de la mère ici. Okay. Il y a peut-être même l'enfant qui va prendre la communication ici, parce qu'on le retrouve même dans les breloques. Sinon, on peut me montrer aussi pour certaines personnes... Oh là là, on est pris de quelqu'un qui est déjà pris, avec qui, bon, bah voilà, écoutez, il est déjà pris, il y a des enfants, cette personne, il ou elle, hein, de toute façon, vous adaptez. La situation semblait compliquée parce qu'il y avait une question d'enfant hein, pour cet homme ou cette femme. Et pour moi, peut-être qu'à un moment donné, la communication semblait bloquée ici par rapport à cet homme ou cette femme. Et là, la situation se débloque. Ça se débloque, j'ai quelqu'un qui va revenir ici faire une proposition, il va de nouveau ici vous inviter à la communication. J'ai comme si j'ai quelqu'un qui revient à la communication ici, alors que c'est comme si on était pris dans une situation avec des enfants et un foyer. Et du coup, bah, de l'autre côté de la barrière, peut-être du coup la troisième personne, c'était un peu compliqué parce que j'ai cet homme qui était peut-être partagé entre son foyer et l'autre personne. Ou ça peut être la femme aussi qui est assez... perdue entre quelqu'un avec qui peut-être elle vit et peut-être le père de ses enfants. Ça peut être possible également, d'accord? Qu'on a été séparé avec un ex-conjoint avec qui on a des enfants. Et là, on est peut-être par contre sous le même toit avec quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà, si on peut l'interpréter du côté de la femme et du côté de l'homme, voilà, je séparais du coup deux cas de figure. Voilà par rapport à ça. Et on revient quand même hein, sur ce qu'on tournait déjà, ce qu'on retrouvait pardon, déjà dans les breloques. Hein. Allez, on va prendre celle-ci et j'arrête. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de février. Ben voilà. Quelque chose qui est lié au travail, ça ressort, hein. Erreur de jugement, bonheur. Voyons, on retrouve tout de même un petit peu les cartes qu'on avait dans le tarot de toute façon ici. Alors, est-ce que vous êtes ici connu par le biais du travail ou alors est-ce que vous travaillez ensemble ou est-ce que vous avez quelque chose par le biais du travail avec quelqu'un? Ça peut être possible. En tout cas, on vous dit s'abstenir si c'est vous qui êtes ici de l'autre côté, ça veut dire vous êtes seul, hein, ici personne célibataire. On vous dit, voilà, abstenez-vous hein, ici, peut-être si quelqu'un comment dire, est déjà pris dans une situation, parce que je vois quelqu'un qui va de nouveau revenir, peut-être retenter quelque chose au niveau de la communication. On vous dit qu'il y a eu une erreur de jugement ici. Le bonheur peut-être n'est pas auprès de cette personne, peut-être qu'elle est auprès de quelqu'un d'autre. Alors, l'erreur de jugement, est-ce que c'est... l'erreur de jugement, est-ce que c'est parce que voilà, on s'était trompé dès le départ et que
Et que le bonheur, finalement, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie pour être heureux. Ça, on l'avait aussi dans les cartes tout à l'heure, dans le tarot. Hein, ça rejoint quand même le tarot, hein, ce qu'on a ici. Ah, peut-être qu'il y a un travail aussi à faire sur soi pour aller trouver son bonheur. On s'abstient tant que la personne n'est pas libre, tant qu'elle n'est pas disponible. C'est ça aussi que ça veut dire la personne célibataire. Ça veut dire qu'on est dispo, hein, d'accord? Tant que la personne n'est pas disponible, peut-être que vous êtes aussi par le biais du travail avec l'autre personne. Abstenez-vous, tant que la personne n'est pas au clair avec lui-même, voilà, qu'elle vous emmène pas dans une erreur de jugement, cette personne, ou qu'elle ne vous mène pas dans quelque chose d'assez flou. On l'avait tout à l'heure aussi dans le tarot, hein. Coupé net, hein. On avait ce cavalier d'épée avec ce 10 d'épée et cette lune à côté. Donc on a quelqu'un qui est assez flou. Si quelqu'un vous met dans un flou, vous mène dans une erreur de soit du jugement, soit erreur, parce que voilà, elle vous prend par les sentiments. Donc attention à ce qu'elle ne vous mène pas ici dans l'erreur par rapport à votre agissement. Tant que cette personne peut-être n'est pas disponible, ne retentez peut-être pas, comme coupez avec elle. Abstenez-vous en tout cas, on vous dit. Et focus sur votre propre bonheur à vous, les amis. Voilà par rapport à votre tirage, les Capricornes. Ma foi, prenez ce qui résonne avec vous, laissez, hein, si ça ne vous parle pas, comme toujours. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire, bien évidemment, des commentaires dans la bienveillance, les amis. Et je vous retrouve pour d'autres tirages, de toute façon, dans l'aspect plutôt sentimental. Pour le mois de février également, peut-être sur d'autres tirages, je verrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir par rapport à mon travail. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font déjà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.